Shining right up. We like, we like, oh, we like. Come on. I'm something for you. Le Sha. 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 Sha, c'est sa fight. C'est que when Mike is hot, hein? On retourne après on fight. 38 ans. T'as besoin de nouveaux sous-vêtements. Sorry. Cherche des rimes en un. Oh non. Now we're doing mic checks there. Okay, we're gonna mute Swift. Okay, guys, mics are hot. T-minus 5 minutes. All right. So, Scott? On commence pas tout de suite à commenter. On parle en 5 minutes, on passe ça? 5 minutes. 5 minutes, on okay. passe ça. Mic check, Scott? Check. 1, 2. Mic. Mic check. Schwinn? Mic check, on est freestyle. Cool. Marie? Faut pas qu'il me fasse rire. 1, 2, 1. Je change pas à côté de Schwinn, finalement. JP, t'es good? Tom? Tom, you're good? Yep. Cool. We're looking good, guys. Il nous reste 4 minutes. Moi, je reviens. Final countdown. La réponse est oui.
Sean, on a combien de personnes en ce moment sur le live? Oh man, that's above my pay grade. Oh no! 31 sur YouTube. 31 déjà, puis c'est même pas commencé. C'est bon ça, ça commence. Puis après ça, t'as du Facebook, c'est bon? Excellent. Bon, je vais muter les mics, là. Mics are hot, guys. 30 seconds. Watch what you say, Schwinn. Il y a des enfants qui écoutent. 15 secondes. C'est qu'on commence avec l'intro, guys. Dans 10 secondes, 9. And boom! What's up, Mike's tout le monde? Bienvenue Summit Challenge 2022. Je vous présente mon partner Scott, Marie-Hélène Soriol, qui est avec nous de Mont-Saint-Sauveur. En commençant, j'aimerais vraiment remercier les Summits, parce que sans eux, ça ne se passerait pas. Et puis, c'est vraiment important qu'ils soient là pour tout ce qui va en suivre. Je passe la parole à Marie-Hélène. Bien, merci, Schwinn. Donc, merci à Scott et Schwinn d'accepter une année de plus d'être nos animateurs de la soirée. Et puis, cette année, on a eu vraiment encore un engouement pour le concours Summit Challenge. On a eu 15 vidéos. Donc, on est vraiment super contents de vous présenter ça. Et on tient à remercier nos partenaires et commanditaires pour la soirée. Donc, Axis, bien évidemment. Rockstar, Burton, Armada. Puis merci également aux juges qui ont jugé l'ensemble des vidéos et des photos qui ont été présentées ce soir. Donc la gang de Boombox, le chat, William Laporte et la gang chez Burton, B-Dog, Jérémy Bouchard. Puis
Puis, on commence ça tout de suite. On est impatients de voir les vidéos. Avant de commencer le premier vidéo dans la catégorie amateur, parce qu'on va vous présenter, commencer amateur, après ça les photos, puis après ça la catégorie open, on va aller live au bar Le Salazar avec une équipe, dans le fond, qui a participé pour la première fois l'année passée, l'équipe de Lucas Gagnon. Lucas, ça va être à toi à nous parler dans pas trop longtemps. On va juste demander au chat pour être sûr que, dans le fond, il nous prend avec, avec le feed de, ouais, ton... du live. Ton feed, attends une minute, je vous le lance, là. On va voir ce que ça donne. Ça sera pas attends. Long, on essaye avec le feed live. There we go. Lucas, tu m'entends-tu? OK, ben moi, je t'entends pas, par exemple. Il y a quelque chose qui marche pas. Est-ce que t'es muté ou non? Ouais! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Fait qu'on a vraiment hâte de voir votre vidéo. Parfait. On voudrait souligner surtout votre vidéo de l'an dernier. Excellent, by the way. Merci. Merci. Puis qui a gagné la meilleure Killing Story. Ouais, meilleure Killing Story l'année passée. That's it. Donc, attends, faut qu'on sorte, je pense qu'il y a la résonance. OK, voulez-vous inviter peut-être des personnes à aller vous rejoindre en ce moment? Parce que je ne me trompe pas, vous avez un live feed. Oui, exactement, au bord Salazar à Saint-Sauveur, en face, en diagonale, en face de l'église. Si jamais les personnes veulent venir, elles sont toutes les bienvenues. Super, OK. Super, OK. Fait que donc, 18 ans et plus. Oui, exact. Catégorie open, votre vidéo, on commence dans les alentours de, je dirais, peut-être 9h moins quart, right? Fait qu'on on retourne à vous autres tantôt vers cette heure-là, 9h moins quart. C'est bon. Ben, merci à vous. On a hâte de voir ça. Yes, sir. Enjoy, boys. Ouais. Ben, merci. All right, Chouin, fait que veux-tu présenter la première vidéo? Oui, on commence avec les amateurs. La première vidéo, on a beaucoup, beaucoup de jeunes cette année. Je tiens à en parler, c'est cute, c'est hot. On, il va y avoir une grosse relève dans les grosses années. On commence avec Loïc Fortin et Christophe Gendron. Et puis, je peux rajouter quelque chose, le chat, avant de commencer? C'est bon? On est, écoute, premièrement, bonne fête au chat. Right? Woo! That's it! Merci, Minou qui merci. Est ici avec nous autres ce soir. Yes. Honnêtement, Alain fait la job d'environ 4 en ce moment, puis il est tout seul. Il y a un bon sport de GP puis de Tom avec nous, mais on s'entend que... Bon, il y a du monde qui dit « Bonne fête, Minou, that's it! » Alain en fait beaucoup, fait qu'un gros merci, Alain. Tu nous as donné un bon coup de main aussi cette semaine en faisant des tests et tout. Tu as fait des grosses heures, puis tu es ici la journée de ta fête. Donc, un gros merci du fond de notre cœur, all right? Fait que s'il y a des glitches, c'est de sa faute, mais on le pardonne, c'est sa fête, OK? On va se blâmer, nous autres, être un peu cheap sur le budget, mais c'est pas grave. Non. Donc, on peut lancer le premier vidéo. Puis, l'autre affaire qu'il faut rajouter, excusez, là, on va y aller, c'est qu'il y a certaines vidéos, malheureusement, qui n'ont pas respecté les droits d'auteur de musique. Fait qu'il y a certaines fois, certaines places qu'on doit commenter sur les vidéos pour être sûr qu'on ne se fasse pas coter le feed, puisqu'on va être live et puis Facebook est sensible sur ces sujets-là. We're good? Fait qu'on n'est pas impoli, c'est tout calculé. Donc, Loïc Fortin et Christophe Gendron. À vous. We're good. Here we go. J'ai mon casque. Et moi, ça me tente vraiment pas de retourner à la maison. Ah ouais, en plus, ils ont pas l'air d'être bien ben en forme. Mais ils ont-tu les prendre? Oh oui, donc. On vous le ramène tantôt! Ah! On Mais qu'est-ce qui se passe ici? On s'est fait voler notre casque! C'est un casque noir avec des collants! Je vois! Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu manges un beigne! C'est là, laissez-moi terminer ma collation! Mais va le chercher! Non, laissez-moi terminer ma collation!
Bon. C'était beau de voir des jeunes, comme je disais tantôt, on en est vraiment des tout petits. Ça va jiber tout à l'heure parce qu'à la grosseur qu'ils ont, ça jibe pas mal en ce moment. J'adore aussi l'implication des parents. On voit, là, il y a des parents qui s'impliquent là-dedans parce qu'à cet âge-là, ils peuvent pas faire ça seuls, même s'ils sont très technologiques avec toutes les bébelles et les montages. Mais chapeau, c'est vraiment le fun de voir de la participation de cet âge-là. Je pense que c'est un projet qui peut promettre à long terme. Si tu commences tôt de même, tu risques d'être bon. Un peu plus vieux, mais vraiment bon. Je ne veux pas dire qu'ils sont pas bons, mais c'est vraiment cute de voir ça. 1, 2, 3, go! On enchaîne ça avec le prochain vidéo. Go! Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, Emma, stop! Faut que tu attendes d'être rendu avant de dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? 2, 1, go! Attends, elles étaient full nonchalantes, les filles. Là. Ah ouais? Tu fais un chicken. Un chicken, ça veut dire que tu vois quelque chose, là, t'hésites, tu le fais pas. Good, nice. Fait que félicitations à Loïc Fortin, Christophe Gendron et les parents impliqués. J'adore. On enchaîne avec la prochaine vidéo, Scott. Absolument. J'aimerais juste peut-être mentionner, il y a deux choses. Il y a la Fondation Édouard, je ne me trompe pas, à la fin de cette vidéo-là. Si jamais vous avez la chance de contribuer, c'est pour une excellente cause. Vous pouvez revoir la vidéo si vous voulez. Plus tard, dans le fond, toutes les vidéos vont être publiées à partir de 10h sur la chaîne des sommets, sur la chaîne YouTube des sommets. Donc, toutes les vidéos vont être revisionnables, comme vous le voulez, dans une playlist Summit Challenge 2022. Une autre chose que j'aimerais mentionner, on a un concours en ce moment live interactif sur notre Instagram, Axis. Donc, vous avez juste à voter. On a mis toutes les 8 photos qu'on a reçues des différents groupes. Vous pouvez aller voter pour ceux, les préférés que vous avez, que vous choisissez dans le fond. Et puis, le gagnant va se mériter 500$ à la boutique Axis. Un cadeau de plus qu'on a rajouté à l'événement. Tu t'en penses? Ben oui. All right. On enchaîne avec la prochaine vidéo, Schwinn? On enchaîne avec la prochaine vidéo. Il s'agit de Timothée Etu et Clément Etu, le caméraman et photographe Paul Bouton. Oh, j'en ai marre à l'école, man. Mais j'étais comme bon. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Je connais. Pas de problème. Les gars, dans le fond, ils ont commencé le concept, je ne me trompe pas. Ils étaient tannés d'aller à l'école, donc ils ont décidé d'aller au parc. Et puis, ils ont dévalé les parcs. Filming est quand même bien fait, surtout les amateurs. Sortent leur gros banger à la fin, c'est vraiment le fun de voir.
Ouais, mon genre d'histoire. Faudrait pas que ma mère avoie ça. Ça rappellerait mon adolescence. Je pense que j'étais plus souvent en montagne qu'à l'école, mais bon. Scott, qu'est-ce que t'as d'autre à dire que ça? Moi, j'éprouve trop de nostalgie. Je te laisse la parole. Ah, je trouve ça hâte. Les gars se sont forcés. C'est le filming était excellent. Et puis, good job, Thomas. Puis, dans le fond, c'est petit Thomas. Non. Oui, c'est-tu Thomas? Non, c'est Timothée puis Clément. Ouais. Ouais. Les deux et tu. Sorry about that. Timothée puis Clément et tu. Donc, on enchaîne. Prochaine vidéo avec Thomas Bergeron puis Sarah Bergeron. Oui, Sarah Bergeron. Sont deux filles cette année qui ont participé en ski. Donc, c'est un gros props à Sarah Bergeron. Donc, on est prêt à rouler le vidéo? Yeah, c'est parti! Do it. Encore une fois, c'était pas vieux. Du gros potentiel. Je pense que ça l'aspire à grand, en tout cas, avec les anneaux des Olympiques et tout. Là. Fait que non, super pour votre participation. J'ai hâte de voir les années à suivre parce que ça promet quand ça commence jeune de même. C'était pas vieux. Là, ça ressemblait à autour de 6, 7 ans, 8 ans. Je ne vais pas insulter s'ils sont plus vieux. Je sais qu'on trouve ça dur à cet âge-là. Mais chapeau. Nice pour la participation. Merci à papa et à maman qui s'impliquent dans tout ça aussi. C'est vraiment important. Donc, je pense que Scott, on peut enchaîner avec le prochain vidéo. Ouais, je vais lâcher, puis je vais aller en direct avec Samuel Champagne, qui va représenter aussi Félix Grant, qui n'est pas là en ce moment, je crois qu'il est en compétition, mais on va switcher tout de suite dans le fond, live feed avec eux autres. Shot, je vais confirmer que ça marche. Ah, gros, il y a un assis de live, je suis comme... We're good, Alain? Yeah, we're good to live. All right, Sam, tu m'entends-tu ou non? Yeah, je t'entends. Toi, tu m'entends-tu? That's it. J'entends super, merci. All right. Sam, explique-nous ton concept de vidéo. En le fond, je t'ai jamais vu, moi, personnellement, mais plusieurs des kids qui travaillent au shop me disent que t'es tout le temps dans le parc en train de filmer. Yeah, ben souvent, là, mettons, all week, toute la temps que j'ai... Dès que là, j'ai le moment de filmer, man, je sors la cam, le petit iPhone, man, puis ça le fait, big. Puis notre concept, c'est vraiment, ça a vraiment été simple. Là. On a fait genre un style d'interview. Là. On a manqué de temps. Le temps nous a tué. Grant était genre souvent en compé un peu partout. Fait qu'on a eu genre un après-midi, on a fait ça en one-shot deal, un petit 6 heures. Même merci, bonsoir, elle est partie. Tout, là. Fait que ouais, non, c'est assez... Moi, je veux dans le fond,
mentionner deux choses. Un, la performance de Félix était comme excellente dans la vidéo. Donc, Félix a vraiment raidé fort. Donc, yeah. Yes, sir. Attends, il est live en FaceTime. Yeah, en FaceTime. That's it. Je ne me trompe pas, tu es dans une compétition. Bonne chance à ta compétition en fin de semaine. Deuxième chose, je veux dire, c'est que si je ne me trompe pas, tu as filmé 100% et tu as édité 100% avec ton téléphone. Tout a été fait 100% avec l'iPhone de A à Z. On est arrivé en montagne. En 4 heures, on a fait le filming. On est allé chez nous. Après, on a édité sur iMovie sur mon téléphone. On a tout fait en one-shot deal. Tout, de A à Z. Donc, gros props pour ça. Juste à montrer à tout le monde comment c'est... Oui, c'est du travail, mais je veux dire... Tout le monde a un téléphone maintenant, yeah. Malheureusement. Pour le bon, pour le pire, tout le monde a un téléphone, donc c'est possible pour tout le monde à participer. Yeah, exact. On va lancer votre vidéo tout de suite. Je souhaite bonne chance, puis yep. On se voit ces pistes bientôt. Thanks, man. Good job, les boys. Stop. OK. Aujourd'hui, à l'émission, l'interview autour du rail, présentée par... Je t'ai dit, tenez la perche. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'entrevue. J'aimerais avoir votre nom et combien de temps que vous skiez et tout. Moi, c'est Félix Grant. Ça devrait faire à peu près pour les 12. OK, je vous explique le concept. Je vais vous, dans le fond, le but de l'entrevue, c'est de vous poser 3 questions et d'être honnête le plus possible. On apprécierait. Donc, je vais commencer de la sorte. Comment se passe l'environnement avec vos parents, l'initiation au ski et tout? Ben là, mon père est mort. OK, donc on va passer à une autre question. Donc, j'ai interviewé 3 jeunes. On va aller voir ce qu'ils en pensent de vous. Par la suite, on fera un résumé avec nous. Bonjour, M. Saint-Michel. Que pensez-vous du rider Félix Grant? Ah, c'est pas! Félix, il est très sharp. Il est souvent sa boisson, tout le temps sa brosse, mais très sharp, très sharp. Merci. Que pensez-vous du skieur Félix Grant? Personnellement, je trouve que Félix est un excellent skieur de haut niveau. Bonne pratique, bonne technique, surtout, il se démarque parmi les autres. Sincèrement, j'approuve ce skieur à 200%. Merci beaucoup de vos mots. Ça fait plaisir. Monsieur Cossette, que pensez-vous du skieur Félix Grant? Excellent coéquipier, très cher. Après les commentaires, comment qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment touchant, ça vient me chercher là-dedans, tout ce qu'ils disent. Puis votre problème de boisson, on m'avait dit que vous aviez arrêté. Ouais, non, j'en ai. Pour vrai, ça doit faire un facile 2 mois que j'ai pas touché à une canette. J'en suis très fier. Parfait. Donc, je pense sur ça, on pourrait aller sur une petite démo de votre part, vous montrer de quoi vous êtes capable sur les pentes. Donc, on se voit sur les pistes, M. Grant. Drop it loop pack! And I say, RAAAAAAH! Calis. I'm not RAAAAAAAH. Mission. Calis, c'est bon que ma vitesse. Ok. Aujourd'hui. Ok.
Félix Grant, Sam Champagne, chapeau. Félix, moi, je suis toujours touché au cœur quand je vois des jeunes comme toi qui ont participé à plusieurs Junior Games qui étaient sodo. Puis de voir un niveau de riding de même, c'est le fun de participer avec vous autres à l'évolution. J'en ai des goosebumps. Sam Champagne, j'ai adoré ce qu'il a dit tantôt avec le live avec Scott au niveau qu'il a tout fait avec son iPhone. Je trouve qu'il manque de vidéos de gros calibre comparativement aux autres années. Je pense que les gars, ils prouvent très bien qu'en une journée, ils sont capables de faire ça. Je pense qu'ils vont avoir plus de participation. Big up, bonne chance pour ton contest, Félix. Puis félicitations, Sam, de t'être impliqué à ce point-là puis d'avoir rocké de même. On enchaîne avec Scott. On enchaîne, dans le fond, les deux prochaines vidéos qu'on va présenter, Sullivan, Thomas puis Émile Bibeau, suivi de Léopold Heavy, puis après ça, Tristan Bibeau. On va aller live avec eux autres, entre ces deux-là, right? Donc, on va partir tout de suite la vidéo de Sullivan puis Émile, puis après ça, on va aller live avec, avec eux et les prochains, all right? Fait que on lance ça tout de suite, on a hâte de voir. Ouais, ben merci de m'inviter à ton nouveau chalet. Hey, ça fait plaisir. Je suis la 42e à le visiter, puis je l'ai eu pour 900 000. Un vrai petit bijou. C'est quoi qu'on fait en fin de semaine? Ben, j'avais pensé à des petites activités là en scène, là. C'est quand qu'on arrive? On arrivera en bientôt, c'est juste là. C'est ça. Quand je pense à ça, le seul problème des Laurentides, c'est le trafic du dimanche. En même temps, c'était une scène en fin de semaine. On a fait du patin. On a essayé la raquette puis le ski de fond. Puis on a même fini avec la crazy carpet. Ouais. Ouais, quoi? Je trouve que c'est pas mes sports. Hey! Un pousseux laurentien! On l'embarque! Eh ben oui! Salut les gars, ça va? Ouais, toi, on débarque où? À Villa. C'est quoi à Villa? À Villa, c'est une montagne de ski pis de snow. C'est quoi du snow? Un snow, c'est une planche que t'as deux pieds fixés dessus pis tu fais des rails, des jumps pis tu t'éclates. C'est comme du ski dans le fond? Ouais, mais ben meilleur. On s'en va à Villa! Hey, le pousseux, il a oublié son sac. Hey, on dit qu'est-ce qu'il y a dedans? On est prêts! Hey, on peut-tu louer deux chemins, s'il vous plaît? Ouais, pas ce soir, les gars, on t'avait fermé. I think it should be good. So, are we on? On est live le show avec Sully et Emile? Yes. Ah, les gars, là, c'est celui. On va attendre la confirmation de la main. Non, mais là, on a. Alright, guys, on va juste faire le son et se mettre là pendant le back. Non, ben, c'est lui. Non, regarde, là. Avec l'air, on est là. On appelle la radio. On est live! Fait qu'on va passer tantôt la parole à un peu pour leur concept de vidéo. Laurent va venir avec les conférences sur les boys, ça va? Allô? Yes! Fait expliquez-moi donc votre concept de vidéo. Ben, on a voulu faire deux touristes qui s'en viennent dans Laurentides, là. Ce qui se passe un peu dans ce moment avec la COVID, là. Vous avez équipé combien de temps avec Facebook? Combien de temps? Oh, combien de temps?
Ben, la semaine de relâche, là, à la fin, c'était un peu long, là. On était serré dans le temps, mais on s'est arrangé, là. Puis là, je me trompe pas, vous êtes en compétition. Là, c'est un des meilleurs snowparks de l'Érantique, sinon au Québec. Ouais, demain, on s'en va faire ça. Avec des fixes, fait qu'on tient vraiment ça des bonnes chances. Puis, big ass pour les vidéos, c'était vraiment fun, c'est entertaining, on trouvait ça bien drôle. Bon concept. Merci. Merci. Si ça vous dérange pas, on va passer la balle, dans le fond, à Léopold et Tristan qui vont nous présenter leur vidéo. Ouais, c'est bon. Alright, on fait un petit switch. Alors, on s'en est avec les Young Guns. Léo, faut que je t'avoue, Léopold, tout le monde est jaloux de tes dreads, incluant moi. J'en avais quand j'étais plus jeune. Oui, check ça. J'ai vu. Alright, les boys. Tristan, explique-moi donc ton concept. Ben, en fait, c'est un peu le concept décompé, en fait. Ben, au début, on a quand même des fun, mais en fait, on est assez vraiment nul en snow. Mais ça change pas qu'on a quand même du fun. Fait qu'on fait les copés, puis on est vraiment déçus quand on voit qu'on est dernier. Fait que là, rendu là, on se pratique, puis tout en ayant du fun, puis ouais, c'est pas mal ça, en fait. Ben, vous êtes peut-être nul dans le vidéo, mais en vrai, vous êtes pas nul. Léo, ouais. Léopold, t'es-tu cassé la cheville durant cette vidéo-là, ou c'était-tu dans l'autre concept, ou? Ben, c'était pas cassé, mais j'ai fait de mal à la cheville, puis là, comme pendant la vidéo, mais pas pendant qu'on filmait, là, mais puis là, ça l'a fait comme pas mal de changer notre vidéo, là, mais c'était pas genre en filmant, là, c'était... Ah, ça, c'était un entraînement de FBI, puis ouais. Il est tombé sur le jump, puis il s'est fait de mal à la cheville. Fait que là, on est... là, t'es correct, par exemple. Tu compétitionnes en fin de semaine? Ben, je fais pas la compétition, mais je suis correct. OK. T'encourages tes amis, quoi. Ouais. That's it. All right. Les gars, big ups. Good job pour votre vidéo. C'est vraiment cool. On va le lancer tout de suite. Puis on revient avec Laurent tantôt pour présenter son vidéo dans la catégorie Open. All right? Bonne chance demain. All right. Merci. Cheers. Merci. Alain. Yes. Oh non! T'es imbattable, man! Hé, hey, les résistants de la compé sont sortis! Pis on est combien? Attends, on va checker. Dernier? Ben non, ça se peut pas, là! Notre run était parfaite! Ils se sont sûrement trompés! Ça fait comme un mois qu'on se prépare pour ça, là. Avoue, nos 50-50 pis nos boursides étaient imbattables, là. Je catch plus. Si j'ai la cheville cassée, on va juste faire mon jump. Ouais, c'est clair, moi je te suis.
chocolat chaud, s'il vous plaît. Merci. Thanks. Hey, toi, tu fais ça, j'aime compris. Ben, moi, la compris, c'est pas que j'aime pas ça, mais ça me fait beaucoup de stress, puis je me rends compte qu'il y aura aidé sans faire de compris, c'est nice pareil. Ouais, j'avoue, même si on fait pas de compris, on est du fun pareil. Ouais, fait que moi, je prends un petit break de compris, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Chill. Oh, regarde-moi toi aussi. Okay. Allô? Ça fait partie du montage. Oui? Prochaine vidéo? Prochaine vidéo. Nick Gosselin, je pense que c'est trompé de catégorie, mais on c'est avec Émile Huot et Eddie Thériault, Cam et photographe. Absolument. Les gars, je ne me trompe pas, puis on va aller tout de suite à Nick. Mais Nick va nous expliquer un peu avec lui, mais je suis pas mal certain que c'est pas du tout professionnel. Nick, on passe à toi dans 3, 2, 1. Alain, tu me confirmes? Ouais, dans le fond, on s'est pas trompé de catégorie. Au début, je m'étais inscrit avec Émile, puis on voulait le faire avec un iPhone, mais là, Edouard s'est rajouté. Fait que là, on a filmé avec une GoPro puis une Dadcam. Fait que oui, en effet, pas trop amateur niveau caméra, mais sinon, pour le concept, la vidéo, ça a vraiment été un concept super simple. On a manqué de temps un peu, on s'est inscrit vraiment late, puis ça sera un coup de tête. Puis aussi, tu sais, dans le fond, pour expliquer le concept, c'est pas tous les jours qu'on skie super bien, mais quand tu es avec tes amis, puis t'es au gros soleil, puis t'as de la bonne musique dans les oreilles, c'est sûr que tu vas avoir du fun. Fait que c'est un peu ça l'essence de cette vidéo là. C'est vraiment d'être avec tous tes amis, puis de représenter ça. Genre, on a amené la cam, puis on a filmé tout le monde, puis juste donner du gros love à Villa, puis toute la gang là. Moi, perso, j'ai adoré. On va le voir dans pas long. Puis j'ai aussi adoré votre vidéo que vous avez faite en 2019, le Weatherman. Je trouvais que c'était comme excellent. La touche artistique dedans était super. Quand tu dis GoPro, c'était correct. On l'avait mentionné dans les amateurs. Il n'y a pas de problème. GoPro, puis c'est quoi? Un dad cam? Explique-nous. C'est dans le fond, les camcorders, là, les classiques caméras que tu peux filmer super de loin, puis tu zoomes, là, c'est les... Mais je sais pas, tu sais, celle-là, c'était quand même une bonne résolution. Fait que je suis pas sûr, mais je sais pas si tu comprends, là, tu sais, comme handicap avec la main, là. Fait que, tu sais, c'est... Mais c'était OG, c'était comme pas encore antique, mais pas loin, là. Ouais, c'est ça. Faudrait que... J'ai pas trop l'information avec Edouard Frey, je parle, mais... C'est la cam à aide. Ouais, c'est ça. C'est toutes les cam à aide, ça. Fait que dans le fond, c'est avec une petite cassette DV, je me trompe pas. Non, même une pellicule, c'est pas tant OG que ça. OK, yeah. C'est vraiment digital dans la caméra. Ouais, c'est ça, exact. Exact. On essaie d'en sortir une là en présentiel, là, mais. Je pense qu'elle, à Edouard, je l'ai vue, elle était moins grosse, là, mais je ouais, que ouais, c'est sans petit... l'échapper, là, mais... Ouais, c'était exactement celle-là. Oh, c'est elle! Fait qu'on s'entend que c'est loin de la red ou de la grosse caméra. Ah ouais, ouais, ouais. C'est clair que c'est pas dans les mêmes calibres, for sure. Okay. Mais anyway, le but, on l'a fait, c'était pour le fun. Fait que ça soit pro, amateur, il y avait pas. Je pense que c'était plus pour juste pour le faire. Là. Les gars, vous avez fait un excellent job. Puis je pense qu'il est grand temps qu'on saute tout de suite à votre vidéo. All right? Fait que félicitations, yes. Bonne chance. All right, thanks. That's what we like. What's up, people? This is Empress the Vibe, and at this moment in time, you are now live with the People's Station. Conscious FM, 98 point, check yourself. Check it. Don't you dare disrespect it. Check it. Don't you dare disrespect it. You know? All right.
Randy Valentine representing the RV Lucian. The RV Lucian means revolution. RV Lucian. And that's what I promote, you know? In a check. Is it? Go! Alright. Watch how me I go start this. Money did a grow up on tree, me woulda plant it. Grab up every pound and bring it in at the market. Then they show it out to anybody who want it. Enough man left yard cause it hard. Fly go abroad, I still have to buy a scratch yard. Pray to a new guard for your second chance. Then when them get the second chance, them turn around and plant it. I bet them I go send me haunted. I bet them I go say me want it. Because me write the song, me write the wrongs. And when them ride along, they made they get the use of chanting. They give them the illa mind flow. Can't study my style, 4 bar, got 5 row. My lyrics them show, so me not like 5 out. 3 verse, 3 chorus, I finish with the high note and say, don't get lost in all them parties. Why you skinning out in all your parties? The nothing happy look under your short dress. If you know where your art is, girl, I bet the radio now go chart this. I bet the radio now go chart this. Radio now go chart this, but man on a radio artist. Yo, drop the rhythm, make me show some artists. Sophia drop this, performing tactics. Me never yet out of practice. Anytime me touch the microphone, as me say, watch this. Girl start to suck out, then I roll an office. Artists like me, people used to blacklist, but me never stop, me still push up me blacklist. Now go hear me, I sing about my slackness. Rather tell the world, say me proud of me blacklist. Sometimes me sing like the Jamie Foxes. Sometimes me rap like the Giffin of the Boxes. Unlike the Loxes, and me rassin' on my heart, so don't bother ask me where me locks is. Me give them me ill of my flow. Can't study my style, 4 bar, got 5 row. Me lyrics them show, say me no like 5 out. 3 verse, 3 chorus, I finish with the high note and say, don't get lost in all them parties. Why you skinning out in all your parties? Be nothing now if you look under your short dress. Just feel know where you are, this girl. I bet the radio now with charges. I bet the radio now with charges. Édouard Thériault, dans le fond, puis je soulevais aussi qu'Édouard était aux Olympiques peut-être là, un mois, donc il a pris le rôle en arrière de la caméra cette fois-ci, donc good job. On enchaîne avec un ami, un photographe. Salut. Qui va présenter, dans le fond, la prochaine, non, c'est pas vrai, il va pas présenter la prochaine catégorie, mais peut-être nous expliquer ton concept de photo. De mes photos, ben écoute, on avait le droit à 2 riders, fait que moi, je suis allé all-in, j'allais prendre 2 riders, et un de mes bons chums, Étienne Chartier, que je fais des photos à chaque année avec lui. Puis, ça a pris trois spots pour décider de quel on allait prendre. On a réussi à en prendre une, finalement. Puis, Matt Duff, en fait, est en train de filmer avec Max Trudel dans le parc pendant que je shootais Étienne dans une de mes choix de shots. Puis, j'ai juste dit, « Hey, man, ça tente-tu de le faire? » Puis, il a embarqué, puis j'avais Matt, puis Étienne. Sick. Il y a beaucoup de monde qui ne réalise pas, dans le fond, toute l'énergie, pas l'effort, mais je dirais le temps. T'sais, même l'effort à bâtir des fois des jumps, whatever. Tu pourrais peut-être en parler un peu, là, c'est pas facile. Ben, c'est pas facile. Ça peut être facile si tu y vas et tu veux pas juste snapper, mais une vraie shot, c'est une shot travaillée, tant qu'à moi. Puis, Étienne, quand on est allé à More Night, on est parti à 9h le soir, les kids étaient couchés. Salut les filles, on s'en va. Puis, fait que finalement, on a construit le setup, fallait le trouver, construire le jump. Après ça, OK, taper le run-up. Placer les flashs, faire les tests de lumière, il l'essaye, ça marche pas. Le shot qu'on a utilisé, ça a pris un bon 2 heures, 2 heures et demie facile
à shooter. Là. Fait, good job, Paul, tes photos. On va enchaîner tout de suite, justement. On va toutes les présenter, les 8. On veut juste vous rappeler. Cha, t'es capable de les présenter si tu veux. On va vous rappeler. Ouais, laisse-moi une chance, attends une minute. OK, ben, je vais pas bon, non, non, c'est cool, c'est cool. Right, c'est que... bon. On monte la première photo en ce moment. Oui, on voit la première photo. Je pense que c'est Alex. Alex. Alex, ouais, on va retourner à Mekai pour l'instant. Ouais. C'est que là, Alex bon. Durand, attends un peu. Excusez-moi tout le monde. Ça sera pas bien long. C'est... Ah. On l'a dit, on n'est pas des professionnels. Donc, bon, ah, there we go. Voilà. Trois, attends là, je vous montre la photo. On a bien aimé la photo, quelque chose quand même de nouveau qu'on n'avait pas nécessairement jamais vu. Ça, ça a quand même suscité un peu d'intérêt là-dessus. Fait que, good job les boys. On va enchaîner avec des jeunes qui ont voulu lancer des photos. Je trouvais ça le fun, un peu que la jeunesse s'implique là-dedans. Le prochain qui devrait être Akela Reeves, si Alain peut le trouver. Ben oui, il est là. Yeah, il est là, petit Akela. Qui a décidé d'aller faire des photos avec son frère Caleb sur le petit Camelback. Olympia. Beau sunset en passant. Beau petit sunset, c'est le fun ça. On peut enchaîner avec la prochaine, dans le fond, qui est la photo d'Éric Lemay, qui ont été encore avec un gros concept Lemay. Dans oh le bois. Concept touring. Je ne me trompe pas, cette photo-là a été prise à More Nights. Donc, Jib and Touring, fait que j'ai bien aimé le concept. Tu es allé voir ce spot-là, là? Ça c'est complètement fou là. Apparemment, on c'est voit quand pas même... où est-ce qu'atterrit, là. J'ai vu Bonin aujourd'hui, puis il m'a dit que c'était un genre de launch-off 20 pieds dans du steep 45 degrés. Là. That's it. Good job, les boys. Fait que excellente photo encore une fois cette année. On peut enchaîner avec la prochaine photo, dans le fond, qui est Raphaël Patrice Beaudelot. Et puis, si je ne me trompe pas, sa mère, Lydia, oui. Right? Sa mère qui est photographe aussi dans la vie, comme profession. Beaucoup de couleurs, l'idée est vraiment bonne. La question qu'on avait, c'est de savoir si ça a été photoshopé ou ça a été surexposé, je sais pas ce serait quoi le terme, Paul, surexposé ou… Non, mais c'est du Photoshop, c'est du collage de photos. Là, là, on peut voir en haut à droite, là, dans le fond, qu'elle a pris une photo des chairlifts qui est allé superposer là-bas mais avec un ciel… Pas, on pourrait pas brûler plusieurs angles sur la même shot. Bien, dans le fond, elle va prendre plusieurs photos qu'elle va blender dans une photo, dans le fond. Là, mais avec la pellicule, dans le temps, tu pouvais quand même snapper une shot. En pellicule, on appelait ça une double exposition dans le temps. Double exposition. Ça pourrait pas être une double exposition, une triple exposition? Non, mais là, mais peut-être, mais Photoshop, elle n'a pas la caméra de dans le temps, c'est sûr et certain. Là. Donc, avec une nouvelle caméra du châle, c'est impossible? Non. OK. Ben, à savoir, je serais curieux, Lydia, si tu pourrais nous le partager. Dans le fond, ça pourrait être un bon sujet de chronique, dans le fond, futur. Bon, on va enchaîner avec justement Paul. Chart. Photo. C'est pas le Red DC, ça? Là, c'est Etienne. Ouais. Ah ouais, c'est le Red DC. Bon. Oui, effectivement, Etienne, dans le fond, que deuxième, troisième, quatrième photo avec toi. Non, ben, la première, on a fait une vraiment bonne shot, mais j'étais pas satisfait. Le ciel était vraiment gris. Deuxième photo, j'ai fait une shot dans le parc. Finalement, vous allez voir la prochaine. Fait que je vais pas doubler, c'est sur le même module. Finalement, je l'ai comme vraiment achalé, puis j'ai dit « OK, on y va pour une troisième, s'il te plaît, t'es capable, même si t'es rendu papa. » Fait qu'on est allé pour la troisième, puis là, il y a vraiment Sandy, puis j'étais quand même vraiment content. Là, c'est un beau travail d'équipe. Enchaîne justement avec ton autre photo dans le parc. J'ai mal à la map, puis il a embarqué, fait que c'était vraiment cool, ça a bien été, là, on a fait une coupe, il a monté une coupe de fois pour avoir vraiment le bon snap, là, pour avoir le bras étendu le plus possible, puis on a réussi à sortir ça. That's it, good job, j'aime bien. Juste vous rappeler aussi qu'il fallait les voter, ces photos-là, dans le fond, live interactif sur notre compte Instagram, Taxis Boutique, puis on va remettre, dans le fond, au gagnant, celui qui a le plus de votes, un 500$ en boutique Axis. On peut suivre avec Jason Galland. Cette photo-là, moi, on l'a vraiment aimé. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est surfeur dans l'âme ou whatever, mais
Moi, je suis vraiment curieux de savoir s'il n'y avait pas un autre gars qui l'a slashé en haut parce que le flair de neige est vraiment cool. Je sais pas à quel point c'est. Je pense pas que c'est celui qui se soit auto-slashé. J'aurais une gaspésie, je te garantis qu'on s'auto-slash par là. Donc ça c'est le questionnement, cette photo-là. Fait que dans le fond. Belle photo. Toi que soit slashé toi-même, ça serait excellent à savoir. Puis Jason, c'est un très très bon photographe street snowboard qui est vraiment vraiment bon là. Cool. Puis on peut finir avec la photo de Caleb Reeves qui a été prise par son frère Akela sur le même module, mais c'est pas grave, on aime bien dans le fond que les jeunes participent et puis on vous invite justement l'année prochaine à fournir des photos. Écoute, ça a été fait avec un téléphone, donc ça prend pas de la grosse équipement, puis on peut tout le temps trouver un beau concept. Donc c'est excellent. Tu sais, des fois les meilleures photos sortent d'un téléphone là. C'est le bon timing, le bon snap, puis tu sais, oui, nous on est chanceux nous d'avoir de la bonne équipement puis de se lancer là-dedans, mais un snap de téléphone des fois ça sort mieux que n'importe quoi là. Bon temps de la journée, pow! That's it! Donc, on a fini la portion amateur. En fait, merci, Paul. Merci d'avoir pris le temps de jaser un peu avec nous autres. Merci à vous. On va enchaîner, dans le fond, avec la catégorie Open. Là, c'est les Big Guns qui sortent. C'est la grosse catégorie, un gros cash prize. On aimerait toujours remercier nos commanditaires qui permettent ça, justement, de redonner des beaux petits chèques là, aux personnes. Je ne vais pas le montrer parce qu'il y a les noms dessus déjà, là, mais... 12 500 en prix. Fait qu'on voudrait remercier Les Sommets Saint-Sauveur, dans le fond, Les Sommets, Rockstar Energy, les boutiques Axis, Burton qui va donner un snowboard au, dans le fond, meilleur rider snow, puis Armada qui vont donner une paire de ski au meilleur rider en ski. Puis j'ai déjà la nouvelle gang qui va sauter avec nous autres. Alain, on a-tu le temps de switcher au live ou on écoute la vidéo avant? Ouais, attends, laisse-moi 2 secondes, là. Ça sera pas bien long, dans le fond, le attends, vidéo kill ton mic. Lancer, go, ça va être dans le fond, go, la vidéo de Lucas Gagnon et tout son crew. Vas-y, parle, c'est beau. Lucas, veux-tu nous expliquer qui sont dans votre équipe, qui filme, qui ride, c'est quoi votre concept cette année? Ok. L'année passée, le mic est à vous. OK, fait que, en fait, je vais laisser Hugo en parler. OK, so, premièrement, on a Jules Perron, qui est notre monteur incroyable. Il y a moi, qui est scénariste, acteur là-dedans, Luca Ryder, Gabriel Trépanier Ryder, et Mathis, qui vient nous faire du bruit. Il y a du bruit, il y a du monde au salon. Mais c'est ça, un fou vidéo. Les gars, restez avec nous autres, on écoute notre vidéo, puis après ça, on vient à la conclusion, right? Let's go, on y va comme ça! Le show est prêt à lancer. Bon, 2021. La meilleure histoire, ça va pas être dur à juger. Les grands gagnants pour un montant de 1 000 $ sont Jules Perron, Baptiste Desrochers et Lucas Gagnon. Après notre victoire, on a eu ben du fun. Peut-être même un peu trop de fun. Bon, les boys, c'est l'heure de payer. Yep. T'as-tu le chien? Non, c'est moi. Il manque 20 $. Oh shit! Vous avez 2 heures! Un jour. 2 jours. Dernière. Les coriaces, je suis un enfant d'asphalte. Janvier 2022, l'un des mois les plus meurtriers depuis le début de la pandémie dans nos régions. Oui, donc maintenant la vente et l'achat de sirop d'érable à travers le Québec va être quelque chose de prohibé et illégal. Ben, oh là là! Écoutez, boys, on va faire ça simple. Vendez pour moi, on oublie la dette. OK! Mm-hmm. OK. 10 minutes, je te rappelle.
Et voir avec ça. Kiss my ring. Restez là, les gars. Je vais aller chercher le stock. Ça, c'est clairement une police. De quoi tu parles? C'est calice, man! Big Bills! Et le deal. Et donc, les gars, nous ont sorti encore quelque chose de solide cette année, très humoristique. Donc, justement, on est live avec eux autres. Le show, on est-tu capable de reflipper? Oui. Attends deux secondes, je coupe ton mic. Mic Arn, there we go. C'est bon, les boys, la parole est à vous. Yes! Yeah! Vous allez la faire m'entendre parce qu'il y a trop de bruit, non? C'est un peu intense, désolé pour ça. All right, les boys, good luck. Puis dans le fond, bon vidéo encore, c'est le meilleur. Merci, merci. On a le goût. Parfait. Ciao la gang. D'abord, salut. Hey! That's it. Good, les prochains. Samuel Morin, Anthony Desjardins. Prochaine vidéo à vous montrer. On check ça? Right, là? Là, OK. Chou, là, c'est quoi que vous me voulez?
du calme, monsieur Desjardins. On va faire ça vite. On fait partie de l'équipe Summit. On vous a choisi pour participer à une nouvelle expérience, le Summit Challenge. On va vous placer dans une simulation pour voir comment vous allez réagir face à tout ça. Ok, si je refuse de le faire. J'ai bien peur que vous ne puissiez refuser. Ok, si je refuse de le faire, tu peux pas. Sam Morant, Anthony Desjardins, moi j'ai bien aimé du gros ski, mais surtout le montage aussi, je sais pas, là, un peu horreur, suspense, man, les switches avec les petits bruits sonores, là, c'est chapeau boys, man, c'était cool, vraiment, big up, nice participation, j'ai hâte de voir les résultats. On va enchaîner avec la prochaine, la seule et unique fille. Non, Schwinn, tu te trompes, là. Ils sont deux filles, il y a eu la petite non, fille. Non, je pense qu'on est rendu ici. Ah, ben oui, excusez, j'ai sauté. Ouais. Désolé, une chance, Scott, il est là. Ah, on a un téléprompter, hein, ça. Ouais, ouais. Alexandre Durand-Boutin, Thomas Gauthier de l'agence Coda pour le montage réalisateur. Donc, let's go, it's on. Alain. Finalement des tests qu'on a passés au courant des dernières semaines. On sait finalement ce que tu as. OK. Tu as une forme grave de sclérose en plaques. Et selon nos pronostics, tu risques de perdre rapidement l'usage de tes jambes.
combien de temps? Au stade où t'es rendu, c'est difficile à dire. Ça pourrait être 2 mois comme ça pourrait être 1 an. Mais je doute que ça soit bien plus. Est-ce que t'as des questions? Si je peux sortir d'ici. Je peux signer ton congé aujourd'hui. Ah, viens me chercher, là, cancel tout ce que t'as à faire. Ça va à Saint-Saul. Faut que je profite du permis vert que j'ai. Is all is hopeless in the game now. The wrong devotion flows. Ain't going my way for a hot sec. They want me to cool off, not yet. I'm intending change, I gotta set it straight. I ain't taking orders in command like, yeah. You about to see me on demand like, you know on demand. If you ain't know, you about to understand. Yeah, I got the team by my side, right hand. Yeah, take it to a string, you ain't seen it like that. Yeah, and it's the dream, and we're coming for the bad. Yeah, and down. Here we go. At the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah, you know. Maxed out, put the pedal to the flow. Hey, on a roll, here we go, here we go. Yeah, at the top of the class on a roll. Hey, and it's time to run it up, yeah, you know. Yeah, maxed out, put the pedal to the flow. Yeah, on a roll, here we go, here we go. Alexandre Durand-Boutin, ce fut Thomas Gauthier aussi, agence CODA. Chapeau, j'espère que l'histoire, c'est pas vrai, là, c'est touchant. Je pense qu'on est rarement assez conscient de la chance qu'on a d'être top shape, parce que c'est vraiment big up, lâche pas, profite-en de ce qui est. Scott, je sais pas si t'as d'autres choses à dire. Moi, j'ai une mention que je pense eux qui ont eu pas mal de likes dans leur teaser aussi. Fait que, nice. On va voir tantôt quand on va remettre les prix. On va enchaîner avec les... C'est pas vrai que c'est les deux seules filles, mais c'est dans le fond parce qu'il y a eu la petite fille tantôt qui a fait le... Dans le fond, le ski avec son frère, les Olympiens. Mais là, on parle d'Annabelle Santer puis Anna Belot, qui a fait, dans le fond, le editing, filming, je ne me trompe pas. Et puis, je sais que les filles étaient vraiment en tête avec un voyage en Gaspésie, je ne me trompe pas. Donc, la vidéo, il finit quand même, je dirais rapidement. Fait qu'on espère qu'on avait la bonne version du vidéo. Ça a été difficile de les rejoindre. Tout ça pour dire que, big up les filles, c'est débile. J'aime l'histoire, j'aime le riding. Numéro 1. Alain, on est capable de rouler ça? Yep, we're coming up. Annabelle Life. Et Anna. Good morning, and welcome to your Erie O'Clock News. Today's date, March 30th, 3000. First on the agenda, SpaceX crashes into the moon again. Who's surprised? Not you, not me. Second up, crypto is out. Like lickety-split, yeah? Snowpark in 2022, I accidentally left my notebook up there, which contains the recipe to the secret formula of the Krabby Patty pizza. So we have to go back. Krabby Patty pizza. Oh my god! So
So essentially, this is how we're going to defeat time, space, continuum. This is what I'm traveling time with, precisely. Big entire design girl. Hey, don't touch that. So essentially what we'll be doing is pressing 2 3 times and then we'll be there. But brace yourself because there's a bit of a kick. So like how ancient you? Ah! We're here? No, I think we're here. I see it. To you. Did I really need to come for this? It feels like you had it pretty figured out. Well, I was thinking like, while we're here, we could get some clips in the park. Mics are hot, guys. Laurent, coming up, 3, 2, 1. You guys are live. Ce fut Annabelle Santor et Anna Barut. Chapeau les filles, c'était le fun. Là, je rappelle, hein, on fait des catégories, on partage le budget pour les femmes, puis il y en a juste une qui s'inscrit avec une autre petite et son petit frère. Là. Mais les filles, let's go, come on. Vous avez vu comment c'est facile. C'est... Moi, j'ai 3 filles, puis j'ai reconnu vraiment le look fille dans cette vidéo-là. On en veut d'autres, là. Inscrivez-vous. Malgré le fait que c'est les seules filles, la performance dans toutes les autres des dernières années, 4 dernières années, était excellente. Fait que félicitations, Annabelle. Là. Bien entendu, j'enlève rien à Annabelle, là, mais on veut un peu de compétition, là. Là, on cherche Max. Max Trudel, ouais, Max Trudel, il est là, là. Hey, Max! What the... Max, oh, Alain, boys, ça va? Alain, you stage yes. This. Hey, ouais. Come on. Hey. Merci de m'accueillir. Max. Bienvenue. Merci à vous pour garder les challenges alive et de continuer la tradition qui dure depuis tellement longtemps. Puis je pense qu'il a inspiré tellement de monde avec les années à pousser et à être au niveau qu'ils sont. Fait que, Explique-moi nice, ça. Nice, merci. Explique-moi ça. Quand est-ce la première année que tu as participé? Je pense que la première année, c'est 2015 avec Seb Chartrand. Ça faisait une couple d'années que ça roulait, dans le fond, puis c'était mon première expérience, puis ça a juste donné le goût de continuer. Puis là, dans les dernières années, ça a moins bien à donner avec la job. Puis là, Matt, il marcelait à chaque année, il était comme « man, faut le faire », ça marchait pas avec mon timing de job. Puis là, finalement, cette année, on a réussi à squeezer du temps, puis à être là, puis à faire une vidéo. Fait que... Je me trompe-tu que peut-être ça t'a aidé, dans le fond, ben, ça t'a peut-être pas aidé, mais en tout cas, ça a identifié ton talent. Je sais que, dans le fond, après ça, t'as eu quand même... T'as une bonne carrière en ce moment, je me trompe pas, travailler avec Boombox. Ouais, un peu. T'as voyagé, filmé des gros athlètes. Ouais, pas mal. Ben, je dirais que ça a pas mal commencé dans le parc. Au début, on faisait des vidéos avec des amis. Fait que cette évolution-là est partie de ça. Les summits ont définitivement aidé. Puis, on est là maintenant. Le gars, il filme avec une Red. Puis Mac and Red, on peut-tu dropper des noms ou non? C'est pas la caméra là, qui compte, Alain. C'est le rider, dans le fond, t'es pas si bon que ça. C'est parce que tu filmes tout le temps les bons gars, Madoff, Seb tout le temps. Fait que c'est eux autres le talent que tu parles. Oui, là. Alors, je fais des farces parce qu'il n'y a rien qui se fait seul. En parlant de rider, Alain, on va switcher au live. Fait qu'on va coter. Oh, on va coter nos mics, mais tu vas être capable de remonter. Attends un peu, non, tu vas aller au live. Ok, attends 2 secondes. Oui. Matt Dufresne, qui est dans le fond. À Whistler qui avait une vidéo avec Max qui vont pouvoir introduire leur vidéo. C'est quand même live on live. Bien, vous êtes son ligne. Comment tu veux y aller ou j'explique ou. Ben, tu peux expliquer vite, mais juste en gros, on a eu pas mal de fun à tourner ça. Puis c'était quoi que. En partant, on le faisait juste pour le fun, puis ça faisait longtemps qu'on en parlait. Puis ouais. Vas-y, Max, continue. Ben ouais, c'est ça, c'est un projet d'amis, puis on l'a fait pour avoir du fun dans le fond, puis on a ramené les autres gars comme Ali, puis Chartrand, Seb, un vieux vétéran qui les a fait depuis le début, fait que c'était juste de ramener le crew, puis avec les temps qu'on a eu, c'était un peu difficile de se voir, fait que ça nous a donné une excuse de ramener les boys à la montagne, puis d'avoir du fun une dernière journée. That's it! T'es-tu en train de boire du thé, justement? Ouais, j'en veux à votre santé.
That's it. On va enchaîner avec la vidéo, vous allez tout comprendre, all right? Alain, on est-tu prêt? Ouais, attends. Okay. T'es prêt, boys? Oh, il est à quoi, celui-là? Ah, c'est du Bubblegum Pink Dream Kush Cookies. Ouh. Ah ouais, c'est la bombe. Hey, les gars, vous avez pas vu ça? USDT Dominance est rendu à 4,20%. Parce que j'étais en ski l'autre jour, il faisait beau, les trucs y rentraient, on avait du fun. Là, les palpitations ont commencé, les hallucinations. Je m'étais jamais senti comme ça avant. T'es sûr que t'as pas pris trop de puff, mon Matt? Je m'enlignais sur un jump, puis le temps, c'est comme arrêté. Magnifique journée aujourd'hui. T'as tellement été gros sur celle-là. Tabarouette. Aïe, aïe, ouais, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Ah, check le papy qui race le landing. Ben non. Chartrand? Oh, une petite tasse de thé, boys. Ben ouais, pourquoi pas. Ah, en plus, c'est du strawberry, blueberry, Jean-Guy, mango haze, purple space cookies. Ok, c'est bon, on va en prendre. All right. Tiens. Cheers, boys. Ouais, très bon ce précieux nectar. J'approuve. Chartrand? T'as perdu 2,5% de ce que t'avais. Ça te coule dessus. Faut être slack le thé un peu, mon chum. Dessus. C'est ta sauce. T'es sûr t'as pas pris trop de puff, mon Matt? Ouais, même tu sens. Bon, ouais. Tu devrais peut-être considérer le CBT, man. Waouh, waouh, waouh! Gros, gros vidéo de Matt Dufresne Alio, dans le fond. Puis, il a même sorti Seb Chartrand. Seb Chartrand, Seb, qu'est-ce que tu fais, man? Talentueux comme t'es. C'est pas parce que t'es vieux que t'es plus capable. Au contraire, quand on est vieux, man, on a plus le goût de se péter. On l'aime tout. Reviens. 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 Mais good job, Max. Good job, Matt, pour l'excellente vidéo. On va enchaîner tout de suite avec Laurent Etier et Gabriel Major qui ont fait un autre excellent vidéo.
Alain, on est capable d'aller live avec Laurent en ce moment? Ouais, mais t'es live, là. Je suis live. J'ai fait ton micro. OK, fait que je suis live avec Laurent, comment ça va? Ça va, toi? Si je me trompe pas, toi aussi, t'es en compétition demain, fait que t'es un peu loin, mais... Explique-nous ton vidéo. Moi, la première affaire qui m'a marqué quand j'ai vu ton teaser, si je crois bien, c'est que vous avez fait le beat. Est-ce que c'est toi qui as fait le beat? Ouais, ben c'est tout moi qui fais des beats. Je fais des beats depuis genre un an, puis c'est devenu quasiment une passion, puis j'ai décidé de faire ça. Je me suis dit que pour le summit, ça serait nice de faire les beats, puis que ça serait original, mettons. Donc, je lève mon chapeau, j'adore. C'est un peu qu'est-ce qu'on aimerait amener dans notre culture. Dans le fond, c'est des sports, mais c'est aussi l'art, la musique. Fait que je trouve que ça ramène tout ensemble, puis c'est excellent. Ça simplifie pour les droits d'auteur quand même, hein? Ouais, ben c'est ça. Je me suis dit. Les droits d'auteur. C'est parfait de mélanger le snow, la musique, tout, je trouve, c'est genre, c'est comme ça depuis un méchant bout, là, le snow puis la musique, ça a toujours été ensemble. Là. That's it. Good job. Puis, dans le fond, vous allez voir dans 2-3 secondes, mais la performance aussi était excellente. Donc, y a-t-il d'autres mots que tu aimerais dire sur ton vidéo? Ou... Ben, honnêtement, je vais pas spoil, là, enjoy, puis j'espère que vous allez aimer ça, pour de vrai. Moi, j'ai travaillé fort avec Gab Major, c'était sa première fois qu'il filmait. Avec ma cam, là, on a tout ça. Puis c'est moi qui avais tout le montage avec lui. C'était quelque chose. Là. Good job, les gars. Félicitations, c'est vraiment bien fait. Bonne chance demain. Yes, on merci. Allez, on peut enchaîner. Ouais, attends deux secondes. Yo, what's up? Jay's over here. I'm looking for a camera for the Summit Challenge 2022. I want someone that make my video so mind-blowing that the viewers will explode! So if you want my email to contact me, just hit the link just right there. You're gonna see all the information you need and that will be sick! Salut Jérémy, j'ai vu votre vidéo. Cela m'a profondément inspiré. Je me suis dit qu'à l'aide de ma caméra et de mes plusieurs instruments, j'allais pouvoir faire une vidéo à la hauteur de vous. Oh mais il est où Jérémy, putain? Faut que je me réchauffe. T'arrêtes ça tout de suite. T'éclates au sol, tu me donnes tes habits, on va dans le gros parc, tu me files. Et c'est moi qui vais te montrer comment on ride une planche à neige. Ah oh ouais, on va voir si tu vas faire plus le malin. Moi je te le dis, je suis meilleur que toi. Allez, on y va. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais, gars? Hey, là, on n'a plus personne qui parle. Hey, Tom, Swin, go. Shit, guys, come on, get. Laurent Etier. Est-ce que mon mic est on? Oui, il est on. Laurent Etier, chapeau encore. Gros riding, gros travail suite à la conversation qu'on a eue. Une autre bonne chance pour demain. Fait comme si le course. Des fois, un nouveau course, on vient fou, on vient en feu. Fait que, ouais, je te souhaite bonne chance. Bravo à Gab Major avec qui a travaillé avec lui. On enchaîne avec Samuel Boisclair et Jean-Pierre Cloutier. Donc, enjoy la vidéo. Yo, Big, tu fais quoi? Ah, là, écoute, je suis en train de finaliser le montage pour le concours Summit Challenge. Pour gagner ce concours-là, là, t'as trois clés. OK? Trois clés de succès. Première clé, là, gros, calaire. Calme-moi ça, là, puis là, t'es en business. Deuxième, là, faut que tu joues avec les émotions. Joues bien fort avec les émotions. Troisième clé, là, écoute, la musique. La musique fait partie de 50% du vidéo. OK? Trouve-toi un bon thème. Moi, j'irais, là, je te trouve avec le thème de Braveheart. Braveheart, là, ça touche les cœurs des gens. Si tu touches le cœur des gens, là, tu te les faire pleurer, ce monde-là. C'est extraordinaire. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop. If you reach your goal, set a bigger goal. If you get to the top of the mountain, find a bigger mountain. It's the journey. Personne ne va comprendre pourquoi tu as mis une feuille dans la vidéo, mais moi, là, moi, je comprends ta feuille. C'est beau, là. C'est beau. T'es mon Spielberg à moi. C'est beau, man. Lâche pas, mon gars.
correct? Es-tu correct? Je pense qu'on est fatigué. Oh my god, c'est quoi ça? Ah, j'en reviens pas. Non, je pense que ça, 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 c'est l'histoire de l'univers. Ça. Avec c'est le cosmos du. Ça, c'est le cosmos. Ah, j'en reviens pas, mais on va peut-être. Yes, sir. Samuel Boisclair et puis Jean-Pierre Cloutier. Moi, j'ai aimé. Petite touche, dans le fond, de comme qu'il disait dans son vidéo, de pas nostalgie, mais je dirais artistique avec la feuille. Puis on a des boards qui tombent en arrière. Petite touche artistique avec la feuille, puis après ça aussi, la comédie mélangée là-dedans. Fait que good job, les boys. J'ai vraiment aimé votre vidéo. Ouais, Chouin. Chouin est moins nostalgique que moi, mais moi... Chouin, on enchaîne avec quoi après ça? On enchaîne avec Philippe Carpentier puis Mathis Carpentier, réalisateur Pierre-Luc Carpentier. On voit un projet familial. Let's go. On enjoy le chat. It's on. Stuck in line, waiting my turn. All of the L's I took, the lessons I learned. Success, it gotta be earned. Tell me why they sleeping on me. On me. Center, I'm a saint right now, but we all gon' sinners. Take a couple L's if you wanna be a winner. When I think about the beat, it's synonymous with dinner. I've been eating too long, still starving. Don't see like I got my own garden. And I'm talking to the king while I'm flipping through James, making sure my cardiac don't harden. Mind your manners, make much flow. Country grammar, out the slammer, way too free. And I wreck my set. Young OG, loves my drug and IOD. Tries my heel, my Achilles. Yeah, let me let it come for the fall. Race deserving all. My son had me dead, y'all, we took it all. I spit the truth in the booth, checking lies all for ya. My God, covered in the blood, you would think that I was fangs on Dracula. My God, flip it all around, you would think he had your life on spatula. All ops will get massacred on the day that he comes right back for us. They said an early bird gon' get the worm. Feel like I'm stuck in line, waiting my turn. All of the L's I took, the lessons I learned. Success, it gotta be earned. Tell me why they sleeping on me. C'est très dangereux sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a une créature. Il y a une créature. J'avais un ami. Il a été coupé en petits morceaux. On a retrouvé sa dépouille dans une grosse canisse. Canisse noire. Pas caniche, canisse. Thank you.
5, 3 secondes. Hey, you guys are live now. Ben, dans le fond, on est arrivé avec l'idée, parce qu'on était les trois chez moi, puis mon frère, il est descendu en bas, puis il a dit, ben, vous êtes pareil comme vous allez comprendre dans la vidéo. Puis, ouais, ben, quand on y a pensé, c'est pas mal vrai, là. Si on va avec nos personnalités, ben, c'est comme dans le film. Il passera le jeune. On a aussi son frère qui travaille avec nous autres. Je vais vous le présenter. En attendant, je vais donner une petite surprise à Théo. Parce que Théo, il trouve le temps long s'il grignote pas. Tu t'en viens-tu? Tu prends-tu ma place? Oui? As-tu besoin de mon mic? Je suis à tienne. Ah, on est correct. Bon, ben, Schwinn et Scott sont partis. Fait qu'on est pognés à expliquer notre vidéo. Fait que dans le fond, pour être honnête, là, cette année, on n'avait vraiment aucune idée. Puis, à un moment donné, je suis descendu en bas. Aymeric, il mangeait. Puis, Antoine, il a un petit côté analytique, intello. Puis, ben, Arthur, ben, c'est Alvin tout craché. Il réfléchit pas trop à ce qu'il fait. Puis, il a pas peur de la gêne, dans le fond. Fait que, quand j'ai vu les trois, je me suis dit, parfait, on fait l'idée des Chipmunks. Fait que, j'ai hâte que vous voyez ça. Puis, j'espère que vous allez aimer autant qu'on a aimé faire ce projet-là. C'est la quatrième année qu'on fait une vidéo. C'est la quatrième année que je suis avec Arthur. Première fois avec Antoine. Fait que je sais pas si Antoine, tu veux dire un mot là-dessus. Comment t'as trouvé ton expérience? Ben, c'est la première année que je l'ai fait, puis c'est sûrement pas la dernière. J'ai vraiment aimé quand on faisait le montage, là, comment on voyait la vidéo progresser. Puis tout. Toi, Aymeric, comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai vraiment aimé ça. Faire tout le projet était vraiment une scène. J'ai vraiment aimé ça travailler avec vous, man. C'est vraiment le fun. Yes, sir. Bon, ben, on espère que vous allez aimer. Puis, passez une belle soirée. Merci. Merci. Hey, c'est-tu là? C'est-tu là? Ok, mais je le parle. Hey, moi, là, je suis allé travailler. On devait faire de quoi de nouveau, non? Oui, mais les gars, on peut rien y faire, là, c'est ça nos vies. Ouais, mais là, moi, je suis tanné de faire des récoltes, là. J'ai faim, faut que je remplisse mon bidon, moi. Je crée bien, tu manges toutes nos récoltes. Les gars, c'est fou. Hey, moi, là, je suis tanné de travailler. On devait faire de quoi de nouveau, non? Oui, mais les gars, on peut rien y faire, là, c'est ça nos vies. Ouais, mais là, moi, je suis tanné de faire des récoltes, là. J'ai faim, faut que je remplisse mon bidon, moi. Je crée bien, tu manges toutes nos récoltes. Les gars, qu'est-ce qui se passe, les gars? Ben, voyons donc! Arrête-moi ça d'un pays d'en haut! C'est là, mon homme. On peut pas rester ici, là! Ah non, moi aussi, là, j'ai faim, là! Les gars, on va dans la maison! Oh, oui. Ah oui, moi j'ai frais! J'ai faim! Les gars, on fait ça vite, c'est parfait! Je pense que je vais aller manger.
vous voulez rider toute la journée, là, j'ai ce qu'il faut. C'était complètement Advil. Anvil? Simon et Théodore. Écoute, moi j'aime bien, en fait, j'aime bien les Chipmunks. Mes enfants aiment bien les Chipmunks, donc évidemment, ils ont adoré la vidéo. Puis je pense que le concept, il était quand même vraiment bien travaillé. En fait, le teaser m'emmenait pas à savoir ce qui se passait dans la vidéo. Fait que le teaser était excellent, la vidéo était très bon aussi. Fait que good job, les boys. Oui, gros riding aussi, sérieusement. Ils sont pas vieux, mais ça ride extrêmement fort, propre, puis des gros trucs, grosse variété de trucs, moi, je tiens à le mentionner. C'est sûr qu'il était deux à fouetter, là. Ça paraissait vraiment les combos en même temps. C'est toujours le fun à voir. That's it. Donc, on finit avec le dernier vidéo dans la catégorie Open. Puis après ça, on enchaîne tout de suite avec la remise de prix. Fait qu'on est avec vous autres pour encore un autre, j'irai peut-être 15 minutes. Puis après ça, ben allez faire la fiesta. Hein? Les mesures sont levées. Oui, depuis aujourd'hui. Fait que l'année prochaine, on va être tout le monde ensemble. On sera pas à TV ou dans le computer. That's it. All right. Ça, on enchaîne tout de suite avec la dernière vidéo. Jesus, is that you? No, my name is Steve. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris il marche deux amoureux. Leur bonheur se construit sur la mer. Bon, ben, aujourd'hui, on va faire un double cork. Tout. Donc, tu vas sur le jump, ben, tu spins. Tu spins, tu stockes ta tête, t'espères pour le mieux. Ben, ben, ça va-tu? Ça va. Hey, regardez là-bas, regardez là-bas! Là-bas. Ouais. Je pense qu'on en trouve un autre plus cool. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Ouais. Ah, ok, let's go. On ne tape après à 500 pieds de chez nous. Ah, regardez-moi, le bois. C'est fou, là. Ouais. Oh, je sais pas. Tu sais qu'on va trouver une belle montagne. Ouais, c'est loin, là. C'est loin. Très loin, très loin. Ah. Wow. Dude, regarde. Wow!
Regardez-moi! Le bois! C'est fou, là! Ouais! Bonjour tout le monde, c'est Squeezie, bienvenue dans un nouveau vlog! Good! Justin Lavoie du pont! Damn, first win! Now you're up, Schwinn. Excusez-moi, Justin Lavoie Dupont et Stuart Lan. Excusez, Sarah l'écrit pas assez bien. Fait que, puis Ariane Gagnon, chapeau, les moniteurs, puis tout, là, le vidéo, c'est cool. C'était la dernière vidéo pour cette année. On enchaîne avec le cash. La remise de prix tout de suite. Dans le fond, on vient de finir la diffusion ici. Je sais pas, Tom, si on peut prendre un petit 2-3 secondes, là, juste montrer le monde qui était ici présent ce soir. Dire un gros merci. On vient de finir la présentation des films. Donc, that's it. Thanks, guys. Merci d'être ici. Merci d'être présent. Merci aux commentaires. Je vais le dire vite. N'oubliez pas de le dire. Je vais le dire tout de suite avant de remettre les prix. Parce que veux, veux pas, c'est eux qui donnent des dollars, right? Oui. Bon, parfait. Merci au sommet. Saint-Sauveur, les sommets. Marie-Hélène, merci. Tu as tout le temps participé dans nos événements. Toi, je dis tu parce que tu es là. Mais je veux dire, vous, la gang des sommets, ont tout le temps participé dans nos événements. Donc, on est vraiment reconnaissants. Merci à Rockstar Energy qui investit dans les parcs à tous les années, qui nous donne des gros dollars aussi. Chouin, merci d'investir. Merci Scott, tout ton temps que tu mets là-dessus. OK, puis on parle de Burton puis Armada qui vont donner aussi une paire de skis et un snowboard aux meilleurs riders en snow. Et j'ajouterais les Park Rangers qui se démerdent vraiment pour qu'on ait un beau parc le plus tôt possible pour que ce projet-là puisse aussi voir le jour. Là. Oui, merci. Puis nos deux animateurs de la soirée, Scott et Schwinn, ils ont super bien fait ça. Hein? Des pros. On se force. Des amateurs, des pro-am. Ouais. Des on pro-am. Se prend pas au sérieux, mais on est un peu sérieux. All right. Fait qu'on commence tout de suite. Le feed, ça fait au moins presque un 2 heures qu'il roule. On va remettre des dollars. On vous rappelle que dans le fond, ces gros chèques-là ici, vous allez pouvoir venir ramasser. Et puis, le vrai chèque, dans le fond, que vous pouvez déposer au guichet automatique ou à la banque, vous devez venir le récupérer ici en boutique. À la caisse. Donc, on peut commencer avec la première catégorie, qui est la catégorie, le teaser avec le plus de views. Je pense que déjà, tout le monde un peu sait ce qui s'est passé avec ça. Marie, le gagnant est... Il s'agit de Alex Durand-Boutin et Thomas Gauthier, qui se méritent 500$ pour le teaser ayant eu le plus de vues. Chapeau les boys, ça signifie du bon travail. Good job, good job, good job. All right, on enchaîne tout de suite avec la photo récoltant le plus j'aime. Puis d'après moi, ce gars-là, il y a un petit truc qu'on connaît pas parce qu'il a gagné aussi la photo avec le plus de likes. OK, et Alex Durand-Boutin avec un autre 250$. Hey, ça fait 750 à lui. On va voir comment il partage avec ses amis. Fait que, okay. Félicitations. Là, on rentre avec les surprises parce que les autres peuvent le voir, les lives et tout et tout. Donc... En fait, cela, on l'a mentionné, vous avez pu le voir avec les vidéos, la meilleure performance en ski, filles, femmes. Les filles, let's go! On donne le même cash prize que les gars. C'est équivalent cette année, c'est égal. Donc, on veut être sûr qu'il y en ait plus qui participent. Donc, cette année, celle qui se mérite les honneurs est? Annabelle Santer et Anna Britt Bellot. On va montrer chèque. Schwinn sort la paire de ski Armada aussi qu'elle va se mériter c'est avec vrai, ça, c'est s'il vous plaît. Vrai. Si je ne me trompe pas, Marie, excuse-moi, c'est toi qui les as, les paires de ski. Donc, un gros merci encore à Armada de participer à l'événement cette année. On a la paire de ski qui vient justement avec ce chèque-là pour Annabelle. Et puis aussi, tous les participants qui ont livré une vidéo vont recevoir un prize pack, dans le fond, avec des cadeaux de Burton, de Axis, de Armada et puis des sommets. Snowpark. All right? All right. Alain, le son est correct ou non? Alors, je ne sais pas ce qu'il me dit. Moi, je l'entends. Puis,
Regarde, oublie-les, continue, là. All right, go. On continue, okay. On enchaîne. On va parler prochain. Meilleure performance en ski. Schwinn, meilleure performance en ski, ça a été serré. Oui, c'était serré. Ouais, chez les juges, c'était serré. Moi, c'était clair, puis ça a donné à ce que je pensais, là. Matt Dufresne. Maxime Trudel. Alyosha. On va dire rapidement, Max Dufresne. C'est vrai que c'était serré. Félix Grant. Félix, grosse performance en ski aussi. Oui, en effet, c'est sûr. Puis j'en ai vu d'autres aussi, là, il n'y a pas juste Félix. Il n'y a pas juste Félix, mais il faut dire que c'était tête. Mais... Quand on arrive à ce niveau-là, c'est vraiment important de voir la qualité. La qualité des landings, la qualité. Surtout que c'est une vidéo, c'est pas une run de compétition. Donc, vous pouvez le refaire. Je sais qu'on se bat en temps. Quand on fait un projet comme ça, mais des fois, c'est ça qui fait que t'as un Matt Dufresne qui va se démarquer des autres, t'sais. On fait une vidéo, recommencez-le 4 fois, le truc, s'il n'est pas impeccable. Parce que quand on arrive chez les juges, quand c'est serré, c'est vraiment la qualité du riding dans cette catégorie-là qui va faire que c'est Matt Dufresne qui a gagné cette année. Mais oui, il n'était pas tout seul à ce qui est très fort, ça, c'est un fait. Chat, peux-tu me confirmer que le son est correct ou non? On ne m'entend pas, apparemment. Ça module bien ici, je sais pas. Moi, je l'entends. OK, on va voir. Moi, je l'entends, c'est là-bas que ça marche. Hey, excusez-moi, là, je parle behind the scenes. Fait qu'on s'enchaîne avec le prochain prix qui était le meilleur snowboarder, meilleure performance snow chez les hommes. Là, c'était vraiment à tête. On était vraiment, vraiment à fin. C'était entre Arthur Pelletier, Antoine Bissonnette et Laurent Étier, et le gagnant est, j'espère, celui qui gagnera demain. Laurent Étier, bonne chance, tu gagnes 500$. Félicitations pour ton gros travail. Tant, faut sortir aussi le snowboard Burton qui vient avec. Plus le snowboard Burton qui vient avec. Arthur, Antoine, sérieux, la bagarre était assez tight chez les juges. Lâchez pas les jeunes, mais je pense que Laurent, il a pas passé devant pour rien. Là. Il était tout seul, il a fait énormément de trucs. Encore là, ça ressemble un peu à ce que je viens de dire pour Matt Dufresne. Quand c'est chaud, les juges vont chercher les erreurs dans les manœuvres, puis vont chercher la perfection. Celui qui en a le plus, c'est lui qui va passer. Fait que, on fait une vidéo, des fois, ça vaut la peine de regarder la shot dans la caméra de son grand frère, puis de se dire, je vais remonter, je vais l'ender mieux, celle-là. C'est ces petits détails-là qui font en grosse finale chez les juges qu'un passe devant l'autre. All right, on va réessayer, voir si mon micro marche. Est-ce que quelqu'un garde me confirmer? Alain, tu vois-tu... Des pics ou non? Hey man, moi je suis plus là. C'est bon ça? All right. Oui, ça je t'entends, je t'entends. Peut-être avec 2 micros ça marche. All right. On enchaîne. 1000$. OK, là c'est des plus gros dollars. Meilleurs bloopers. Meilleurs bloopers, vidéo humoristique, les meilleurs bloopers à la fin. Écoute, je pensais que c'était quand même assez facile. Oui, oui, ouais, ah, avec un gros sac de même puis en train de s'enfourcher dedans tout le temps. Là. Luca Gagnon, Gabriel Trépanier, Jules Perron, Hugo Bélanger, chapeau encore une fois, la gang de Sarah l'année passée, Sarah Moustache, cette année c'est The Deal, votre bloopers était malade, les vidéos aussi, hein, il a parlé beaucoup chez les jeux, c'était chaud, les histoires, la créativité, là, je sais pas, les j'ai comme l'impression que ça crie pas mal fort au Salazar en ce moment. Oui, ça doit, ouais, peut-être qu'on va même les rejoindre. Je pense qu'on les entend, ouais. Peut-être on les rejoindre après un peu. All right, on leur a apporté leur chèque. Meilleure utilisation de tous les terrains de la montagne. Cette catégorie, on l'a expliqué, peut-être ça a été mal saisi. On a vu qu'il n'y a pas plusieurs vidéos qui l'ont utilisé, mais ceux qui l'ont utilisé le mieux étaient? Justin Lavoie-Dupont et Stuart Tanashi, les deux coachs qu'on a vu commencer à More Nights et tout. C'est vraiment eux autres qui ont touché à tous les secteurs. Le but de cette catégorie-là, je pense que ça s'adressait aux personnes de parc, de pas juste faire du parc. Peut-être que le monde de parc se sont compris, il faut toucher à plein de modules. Non, les sommets, c'est 5 montagnes ou 6, si je ne me trompe pas, Marie. 5 montagnes, donc c'était ça un peu le but de la catégorie, d'ajouter cette catégorie-là, c'est pour aller ailleurs aussi qu'il y a dans le parc. Un peu comme Jonathan Sainte-Marie et Lemay qui ont fait l'arbre dans les photos, là, etc. C'est à More Night Swing. Ils ont touché, les gars justement qui ont gagné meilleure utilisation du parc, ils ont touché dans le fond Piste, Sous-Bois, Parc More Nights et puis aussi Parc Avila. Donc ça fait quand même un varié de terrain. Exact. La photo, oh wow, la vidéo la plus artistique, la plus originale.
Ouais, puis celle qui était vraiment touchante, il s'agit de Nicolas Gosselin, Émile Huot et Eddie Thériault. Touchante, Chouin, je suis comme surpris de t'avoir ouais, un peu ouais, nostalgique. J'ai vraiment aimé ça, man. Moi, j'ai le rap et toutes les vidéos genre que les rappers vont faire. Ça m'a fait penser à une vidéo de rap comme quand on est aussi dans le parc puis on se tue en chum. Tu sais, il y avait pas toutes les poules avec les seins semis à l'air puis trop d'affaires, mais je trouvais ça vraiment hot. C'était comme un genre de vidéoclip de ski. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça touchant. Good job, les boys. Good job. La catégorie coup de cœur. Je repasse la parole à Marie-Hélène de présenter cette catégorie-là, je crois. Ben oui, à chaque année, on a une catégorie coup de cœur, que c'est une vidéo qui devrait gagner sûrement dans plusieurs catégories, puis que malheureusement, des fois, il manque de catégories. Donc, c'est important de l'avoir. Puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est une vidéo exceptionnelle. Vous l'avez tous vu. Et c'est Arthur Pelletier, Antoine Bissonnette et Thomas Pelletier. Bravo, les gars! Et faut pas oublier Théo qui mangeait tout les le temps. Les Chipmunks! Aymeric Langevin, ce fut Théo. Yeah! That's it. Yes! Nice! Hey, Matt Dufresne, là, on lui a pas donné sa paire de ski Armada non plus. Mais non, j'avoue qu'il traîne à terre, là. Mais on l'a-tu nommé tantôt ou non? On l'a-tu? Ouais, as-tu manqué une meilleure performance en ski? Non, on l'a nommé, Scott. On l'a nommé. On va juste montrer les skis parce qu'ils nous donnent des gros dollars pareil. Fait que... Merci, Armada. Merci. Matt, aussi, tu vas te mériter une paire de skis Edgeless B-Dog. B-Dog, justement, qui a jugé, puis ben, il t'a pris pour le meilleur skieur. Oui, monsieur. Avec raison, je pense. Ouais, excusez-moi, on enchaîne. On enchaîne chez les photos, le choix des juges, la meilleure photo. Il s'agit de la photo de Éric Lemay. Encore une fois cette année, Éric Lemay, meilleur photographe. Le voici, le voilà. Un gros 750$ pour Lemay. J'espère qu'on va te voir bientôt venir le chercher. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. La photo, c'est probablement la chose la plus difficile à juger, probablement dans toutes les sommets. En tout cas, que moi, j'ai participé. Ben, j'ai pas participé, mais dans le fond, je récolte dans le fond toutes les notes des juges. Et puis, la photo, c'est tout le temps celle qui est la plus difficile. Donc, tout ça pour dire qu'il y en avait plusieurs qui étaient tellement proches, il a fallu trancher, puis à un moment donné, ben, la majorité a gagné, puis ça a été celle-là. Exact. Fait que là, on enchaîne avec la meilleure vidéo catégorie amateur. Il s'agit de 1000$ pour Nick Gosselin, Émile Huot et Eddie Thériault à nouveau. Bravo les boys! Moi, Chouin, il a ouvert comme une porte. En anglais, on dirait un can of worms tantôt. Les gars sont inscrits amateurs. Ils ont filmé avec l'équipement amateur. Félix Grant et puis Samuel Champagne étaient les runner-up là-dessus. Fait que les boys, jamais vous les voyez au bar ou dans le fond à la cafétéria. Vous pouvez leur payer un petit chocolat chaud parce que c'était vraiment comme partager les opinions là-dessus. All right? Fait que tout ça pour dire qu'il y en avait plusieurs de bons, mais c'est les deux qui étaient les runner-ups. C'est eux qui gagnent cette fois-là. Oui, ça fait toute une bagarre chez les juges, mais... Là, on va inviter la personne, OK? Fait qu'il faut être prêt, pareil, à accueillir le meilleur vidéo, puis on va terminer là-dessus, c'est la finale. Le meilleur vidéo, le Grand Prix, meilleure vidéo. On va peut-être juste le mettre ici, puis on va attendre que ça crie, puis ça vient, right? Dans 3, 2, 1. Max Trudel. Avec Matt Dufresne. Max? Alyosha est ici. Ali est là. Alyosha est ici. Let's go, Alyosha. Let's go, Max Trudel. Max, peux-tu venir ramasser ton chèque? Non, je pense à ça que c'est trop. Hey, allez chercher Max. Right. Allez chercher Max. Chat. All right. Écoute, Max, je ne sais pas s'il va venir ou non, mais ouais. Il s'en vient. Alyosha, viens-tu. Max, je te laisse la parole, tu closes ça avec Chouin, all right? All right, les deux mics. Les deux mics, Alyosha vient s'asseoir. Les boys, meilleur movie de l'année. Chapeau. Merci. Félicitations.
Ouais, toi, on te l'a dit, c'est pas toi qui est bon, c'est tes riders. Non, les boys, ils ont vraiment on le sait très bien. Fort, fait que... Ouais, mais un boys qui travaille fort, qu'il n'y a personne qui le calme, ça sort pas loin non plus. Ça, c'est sûr que ça aide. Les gars travaillent d'équipe, félicitations. Matt, il n'est pas avec nous, il est à WIS, right? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais présentement, il est à WIS. Il est à WIS, il est sur le live, puis il nous check. Puis hey, Max, donne-nous un micro à Ali, s'il te plaît. Comme à chaque fois, Matt. Non, un des deux. Ouais. All right. Seb Chartrand, c'était vraiment lui en race? Là? Ça a été absolument lui. Non, mais... De participer avec toi un peu dans les parts, non? De rider un peu, ça ne tentait pas? Ben, ouais. on avait le droit à juste deux riders. Puis là, c'était comme tough aussi de décider. On a shooté une coupe de shot avec Ali un matin. Il est arrivé un petit peu en retard, classique Ali, mais c'est pas grave, on l'aime bien. Non plus, j'avais cassé mes skis. C'est vrai, c'est vrai. Fait que... C'est juste le timing, ça a donné comme ça. Max a édité le vidéo comme ça. Puis finalement, on n'avait pas changé une formule gagnante. Non, c'est en effet. Mais si ça revient, en tout cas, on va revenir. Puis je pense qu'on a un bon team. Fait que c'est sûr qu'on le refait parce qu'on a eu bien du fun. Puis c'était vraiment une chouette expérience. Ouais, en effet, c'était vraiment le fun de voir votre résultat aussi. Merci à vous, puis merci à tous les sponsors aussi qui ont rendu ça possible. Là. Je sais que vous continuez à chaque année, puis de pousser, puis c'est vraiment cool pour le sport. Puis je pense que c'est cool pour tout le monde aussi, là, les plus jeunes qui commencent, d'avoir une chance, man, de pouvoir faire une vidéo, puis de voir qu'il y a des prix. C'est vraiment hot. Je pense que vous êtes vraiment un bel exemple, une belle influence pour eux autres. Les petits, regardez ça, ça fait longtemps que ça pédale. Yes, sir. Puis c'est en faisant des choses qu'on apprend, puis qu'on s'améliore, puis qu'on reach le top, puis qu'on part avec le gros chèque. Et voilà. Lâchez pas. Hey, on n'oublie pas le 10% au bar, hein? Challenge 2022. Ben non, Alain, on va montrer ça aux jeunes que le 10% au bar, ça, c'est la règle. Fait que on va laisser un petit peu à Matt qui est à WIS. Il va avoir sa chance d'aller au bar. Puis nous, on va s'amuser ici aussi avec toute la gang qui est là, puis qui est présente. Là. Wow. Good. Super. Merci les boys. Merci les boys. Fait que on termine Summit Challenge 2022. Merci à les sommets vraiment qui permettent encore à cet événement-là, malgré la crise de COVID, que ça se passe encore. J'espère que l'an prochain, ça ne sera pas sur un live film, mais que ça va être live entre humains, en personne. Fait que au plaisir de savoir. Merci à Axis, merci Armada, merci Burton. Merci les Park Rangers. Merci à tous les participants, les parents, puis Rockstar qui financent le gros parc. Merci tout le monde. Merci. Okay. À l'année prochaine. Hey, shout out à tout le monde. C'est fini, là. Bye bye. We love you. Good night.